Ouais, salut Michael, les bonnes 73 là. Ouais, je t'écoutais là un petit peu là, ça passe fort, hein. 58, 59. Ouais, il y a une propagation assez bizarroïde, voilà. Ouais, un coup on entend les Caraïbes, un coup c'est la Réunion, un coup c'est le Canada, et ça revient petit à petit là. Voilà, l'été se termine ici sur la France. Donc voilà, je pense qu'on va avoir l'occasion de faire de très très bons contacts cet hiver là. 73, Michael, là, ok? C'était un peu sporadique, on discutait. Déjà, c'est toujours, c'est des retours. Mais grand plaisir à t'écouter, Daniel. Moi, je suis en hauteur, donc sur la capitale, Saint-Denis. Donc, environ à 15 km de la ville de Saint-Denis, à PSG, environ à 600 mètres d'altitude. Actuellement, le bruit, c'est un peu duré très maussade, un brouillard très très épais. Température est de 22 degrés. Donc, la pluie est une pluie très très fine. Hein. Je ne sais pas si ça a continué ou pas. Et tout à l'heure, il y avait une pluie très très fine. Voilà. Je te retourne le micro, 00, Michael, le plus loin, la Réunion, on écoute Daniel Kessel. Ouais, ok, 001 ici, 14, RECC 14, je sais pas si je te l'avais donné, l'indicatif, 14, Roméo, Charlie 14, donc Daniel, sur le sud-ouest de la France, le département 40, voilà, le département des Landes, où WXB est actuellement 18h14 minutes. Voilà, il fait 20 degrés, puis un temps couvert et de la pluie aujourd'hui, là, un petit peu ce matin. Un petit peu cet après-midi, voilà, les belles journées, on va dire, où les grosses chaleurs se terminent petit à petit, et puis on va rentrer, ben écoute, vers l'automne, hein, malgré qu'on aura encore des bonnes journées, mais bon, les jours déjà commencent bien à raccourcir. Et puis vous, effectivement, c'est le contraire, vous allez rentrer vers les belles journées et le beau soleil. Ben écoute, ça fera plaisir de s'entendre cet hiver, voilà, moi je t'enverrai pas de la neige parce que je suppose que t'en voudras pas, bien que n'en ait pas beaucoup ici. Mais au moins, tu pourras m'envoyer un petit peu de soleil, là, Michael. Tu es 59 au dernier passage, ok? Donc oui, il faudrait faire un petit peu les échanges. Donc ça permettra, je dirais, qu'on vient faire un petit peu le pour et le contre de l'hiver. Mais bon, par la suite, c'est sûr que pour nous, ça va pas être évident. On a eu ça en 2007, j'ai eu une petite couche très très fine qui s'est tombée un peu sur le de neige, voire même sur la roche écrite. Donc pour les personnes qui sont parties un petit peu en hauteur de, je dirais, près de Pellier, là-haut, là. Donc je dirais où l'endroit est le plus propice dans la plaine des Carpes, tout ça. Et moi, je suis parti sur la roche écrite, hein, où le sentier forestier environ à 15 km. Donc ils ont retemplé, j'ai dit, la neige de l'autre côté là-bas en faisant pas mal de bouteillage. Moi j'ai pris mon sac à dos et moi je suis parti en hauteur en voyant bien le piton de neige en face un petit peu tout blanc. Et moi de mon côté je contemplais aussi sur la roche écrite un petit pellicule blanc, hein, donc qui avait au moins, j'ai dit, facilement 1 cm. Donc sans avoir d'embouteillage, hein, donc voilà, pas mal de personnes ont créé quand même pas mal de bouteillage. Donc des kilomètres, donc moi j'étais un petit peu dans le naturel, dans le sentier forestier, sans avoir, je dirais, une percussion de voiture, à quelle. Ouais, ok, 100% QSL, Michael. Ouais, oh, je te rassure, moi non plus, j'ai pas beaucoup de neige ici, hein, malgré que, voilà, je suis à peu près à une centaine de kilomètres des Pyrénées, là, hein, des montagnes pyrénéennes. Ici, on n'a pas trop de neige, hein, mais enfin, bon, je vois les montagnes d'ici, mais en principe, tu sais, nous, quand on voit les montagnes d'ici, c'est pas bon signe, voilà, c'est signe de mauvais temps, on va dire. Voilà, il n'y a pas besoin de regarder la météo sur Internet. Moi, je regarde par la fenêtre et en principe, tu vois, quand on voit les montagnes, c'est qu'il va y avoir un changement de temps. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, on a eu un bel été, on va avoir encore des bonnes journées. Donc, ça sera super, super cuiro. Voilà. Et puis la propagation d'hiver arrive, hein, puisque je te disais, là, j'ai contacté tout à l'heure nos petits cousins du Québec, là. Et puis après, j'entendais aussi les États-Unis qui appelaient. Ben, j'entendais un petit peu de tout finalement. Et puis voilà, donc ben écoute, c'est bon signe. Voilà, la propagation va tourner et puis on va diriger les antennes dans d'autres directions, Michael, là, ok? Donc par la suite ça s'est complètement restreint. Donc pour l'instant j'ai une bonne écoute en direction de la division sur l'Europe que j'écoutais plus. Donc c'est sûr que tout doucement il y aura un chamboulement. Mais c'est sûr que là ça fait pratiquement 3 fois que de temps en temps la propagation en direction de la 14 arrive très très fort. Hein. Donc
passe la radio Super 5 sans des QSB, puis de bon, il n'y en a plus. Donc, tout doucement, je vais en regagner un petit peu. J'ai dit, les modulations qui avaient pour l'été précédent pour nous, et l'hiver pour moi. Donc, c'est là où j'ai eu le privilège à s'écouter avec moins de QRM à QSL. Ouais. Ouais, ok, Michael, pas de problème. Oui, oui, c'est vrai, ça sera, on va dire, un petit peu plus confortable. Voilà, Michael, il y a du monde qui t'appelle derrière. Je vais laisser la fréquence de libre. Pas de problème, ravi de t'avoir écouté. Je te souhaite un bon début de soirée, puisque la nuit est tombée chez toi. Ici, on va avoir encore ouais, 1 heure, 2 heures de temps. Ouais, le temps est couvert maintenant, donc il va faire une nuit de bonheur. Mais bon, écoute, c'est comme ça. On va faire avec. Michael, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Amitié à toi ainsi qu'à tout ton entourage avec ta permission, bien évidemment. Et puis je te dis à une prochaine. Dans d'excellentes conditions, tu es 59 plus 5 et plus 10 dB. Et puis, donc ça fonctionne bien. C'est vraiment du téléphone. Michael, bon DX, bon contact. Si tu veux faire d'autres contacts, je suppose que oui, parce que j'entends les stations qui appellent derrière, donc je suppose que tu vas les entendre toi aussi. Salut Michael, 73, et toujours au plaisir, ciao. Ok, c'est moi qui te remercie, situation sympathique, donc civilité, entourage familial aussi, avec ta permission, ta direction, la bonne soirée, et le bon DX, ça va faire un grand plaisir, sur les côtés 14, Roméo, Charlie, Charlie, 14, Daniel, 173, Tango, Charlie, 001, Michael, c'est le nom de la réunion, 73, et à bientôt, bye bye. Ok, pas de problème, 001, RCC 14 qui te salue bien, Michael, ciao.